L'être humain est la créature la plus mystérieuse sur Terre. Le corps humain semble être une machine biologique parfaite, qui effectue une variété de fonctions, non seulement extérieures, mais aussi intérieures. Nous nous déplaçons dans l'espace en trois dimensions. Nous effectuons toutes sortes d'actions. Nous prenons des décisions, traitons l'information, communiquons. Mais il existe encore autre chose, non pris en considération jusqu'à présent, non enregistré par des appareils modernes, mais clairement ressenti par l'être humain. Invisible aux yeux, une composante de matière fine de l'être humain, la structure énergétique. La structure énergétique humaine a la forme d'une pyramide tronquée, avec un sommet séparé. La base de la pyramide est symboliquement divisée en quatre parties par une croix en diagonale. L'être humain se trouve au centre de la croix qui divise l'espace autour de lui en quatre parties volumétriques, c'est-à-dire autour de la personne, devant, derrière et sur les côtés se trouvent comme des espaces triangulaires et ces espaces sont les zones volumétriques des entités. En outre, le corps humain émet un champ biologique hétérogène, car la fréquence émise par le cerveau est différente de la fréquence des autres organes, comme celle des reins ou du foie. C'est pourquoi le champ biologique humain a des couleurs différentes. Maintenant, observons un peu plus le sommet de la pyramide qui est séparé de la base. À titre indicatif, il se situe à 50 cm au-dessus. La distance est approximative, car elle est individuelle à chaque personne. C'est à cet endroit que naissent les pensées. Dans le centre se trouve la personnalité. La personnalité, c'est celle que toute personne se sent être durant sa vie, celle qui fait le choix entre la nature spirituelle et animale, celle qui analyse, fait des conclusions, recueille son propre bagage personnel, comprenant les dominantes des sentiments et des émotions. Entre le sommet et la pyramide se trouve la conscience, et plus précisément le champ de la conscience qui se compose de septons. Le sommet est une sorte d'antenne qui reçoit en permanence les pensées. Les pensées, à leur tour, sont une onde venant de l'extérieur. Le processus de la naissance de la pensée dans la conscience de l'être humain peut être divisé en trois étapes. Les pensées attaquent, en d'autres termes, agitent la membrane de la structure du sommet. Une vague d'agitation est transmise par la suite au champ de la conscience en réponse à des pensées extérieures. À son tour, le champ de la conscience transfère des réponses réactives sous forme d'impulsions à la personnalité et au cerveau. Il est à noter que les mêmes zones sont agitées, que ce soit celle de la personnalité ou du cerveau, tout en augmentant l'activité du champ septonique de la conscience. À la troisième étape, phase finale, le cerveau réagit en envoyant une impulsion-réponse à la personnalité à travers le champ septonique de la conscience. Voici comment se présente le processus en action. Considérons maintenant la partie essentielle et la plus importante de l'ensemble de la structure énergétique, l'âme. L'âme est une vraie antimatière. Tout le reste de la structure énergétique, dans les six dimensions, est construit autour d'elle. Et si l'on s'oriente sur la structure du corps physique, l'emplacement approximatif est la zone du plexus solaire, à savoir le centre réel de l'être humain.
L'âme pénètre dans la structure énergétique de l'être humain au huitième jour après la naissance du corps physique. Entre l'âme et la personnalité se trouve ce qu'on appelle le fil d'argent. C'est le canal qui fait le lien entre l'âme et la personnalité. Par ce canal septonique, l'âme passe en permanence les forces constructrices d'Alat à la personnalité. La force d'Alat est donnée à l'être humain pour la fusion de la personnalité et de l'âme. C'est justement cette force qui constitue la force d'attention. Là où la personnalité met la force de l'attention, ces programmes s'activent en action. Si la personnalité met plus d'attention dans le champ septonique, c'est-à-dire l'existence matérielle, la force d'Alat, irrévocablement, s'écoule vers le maintien et le développement du système matériel. En conséquence, après la mort du corps physique, la personnalité se transforme en subpersonnalité, qui est la partie informationnelle du système matériel mortel. Si la personnalité met plus d'attention chaque jour dans les sentiments profonds, en les orientant vers l'âme, le résultat est un changement qualitatif de ses structures énergétiques et la personnalité fusionne avec l'âme. Un être entièrement nouveau est formé, une créature du monde spirituel. Le processus d'apprentissage de sa nature par l'être humain est infini, ainsi que le nombre des mystères de l'existence humaine reste entier. Les êtres humains ont encore beaucoup à découvrir, car chaque réponse crée encore plus de nouvelles questions.